Bonjour à tous et à toutes. Toujours dans la Twingo, c'est notre Twingo, hein. Bon, c'est pas la même. Et quand j'ai eu cette voiture-là, il y avait 9,5 litres indiqués par l'ordinateur. Donc j'imagine que la personne qui l'avait en prêt n'a pas eu du tout de conduite économique, hein, ça me semble bien. Alors que moi, je suis descendu à 4,7 litres et ça continue à descendre. Puisqu'il y a un mode économique sur la Twingo, je ne vais pas m'en priver, dehors il fait 33 degrés. Je ne mets pas de climatisation parce que la climatisation augmente la consommation de plus d'un litre au 100, donc c'est beaucoup trop. Je mets une ventilation forcée, niveau 4. Le but de ce trajet aussi, bon, c'est aller là où je dois aller, mais en même temps je vais faire j'espère que ça ira, c'est un petit montage, remplacer le son d'origine de la Twingo par le son de la Zoé sur route dans des conditions équivalentes 84 km/h pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner une Twingo en mode électrique, pourquoi pas. Voilà, tout à l'heure. Donc je roule sous limiteur de vitesse. Cette version de Twingo que l'on m'a passée a le limiteur mais pas le régulateur. L'inconvénient du limiteur, c'est qu'il faut toujours appuyer sur l'accélérateur, mais la vitesse, je la limite à 84 km/h comme je fais sur la Zoé. Ce sont les mêmes conditions de route. Donc la version sonore de la version électrique correspond à la même vitesse et au même revêtement. L'appareil que j'utilise, toujours le même caméscope, avec la même prise de son. La ventilation réglée sur la même puissance, à peu près le ressenti de débit d'air, à peu près comme sur la Zoé, hein. J'ai réduit à 3 sur 4. Puisque je n'ai pas de climatisation, il fait chaud. Juste pour vous donner l'idée de ce que pourrait être un électrique en Twingo, je répète. Bon, j'espère que ça rendra bien au montage.